On est là. Parfait. J'entends son vélo. Et ouais, pousser un vélo, c'est moins facile. Alors on est en plein dans la gorge de Groom, c'est lunaire, ça monte, c'est 20 cailloux. Alors par contre on voit bien notre objectif, déjà lui qui est un petit peu plus haut, voilà, on va au col qui est là, et ce col nous amène à la plaine des Jassauts. Allez, Abel, quel est le con qui a mis son vélo au milieu? C'est dur, hein, de pousser le vélo. Oh, on y est presque. Ouais. Alors, fini la gorge de Groom qui se trouve dans le creux là derrière. On va aller direction la plaine des Jassauts. Bon, c'est pas loin, c'est à 300 mètres. Pas si on le voit. Magnifique. Magnifique. Oh la vache. Ah, c'est un retour, c'est trop gros pour une. Ouais, peut-être. Il y aura des béliques mortes. Bon, on a vu un vautour. Voilà, vautour numéro 2, vautour numéro 3. C'est balèze. Je sais pas ce que je filme. Ça fait rien. Oh, c'est grandiose. Je reprends à gauche, il arrive. Un nanon. Oui, on l'a vu, Abel, on l'a vu. Vas-y, filme-le. Oh putain. Alors, il y en a un autre. Mais non, c'est toi qui va passer vite. Il est là, à flanc de montagne. Quand il se dégagera sur le ciel, on verra mieux. Ça vole bien. Majestueux. Alors, ça veut dire qu'il doit y avoir des béliques de mortes, ouais, quelque part. Bah, je filme. Oh putain, en rentrant il faut aller acheter un pain. Un pain? Un pain. J'ai une vieille, elle m'aura pris, non? Ouais, mais le matin je mange avec ça, moi. Ça me fait 3 jours un pain. C'est vrai, quoi, il fait 3 jours le pain? Ouais. Putain. Mais pourtant on fait dans le café, ça c'est bon, ça suffit. Oui. C'est clair, ça suffit. Mais il a bien neigé, hein. Bah oui, il a neigé. C'est fini l'été. Oh, ils annoncent beau la semaine. Oh. Ils annoncent